On poursuit à Nice le 30 juin dernier. Le petit Yann, 5 ans, perdait la vie percuté par une trottinette sur la promenade des Anglais. Dans ce contexte d'accroissement des accidents liés à ce type de véhicule, le maire de Nice, Christian Estrosi, a présenté ce matin un plan d'action pour renforcer la sécurité. Voyons ce qu'il en est avec Ariane Masseglia et Florent Mottet. Quelques fleurs desséchées par le vent pour toute trace du drame du 29 juin dernier. Et les trottinettes plus présentes et plus rapides que jamais sur la promenade. Les trottinettes, c'est un phénomène vraiment assez récent et on ne sait pas encore bien les encadrer. C'est quelque chose que, justement, avec les accidents dramatiques comme il y a pu avoir la semaine dernière, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on commence vraiment à encadrer. Le maire de Nice présentait justement ce vendredi un ensemble de mesures destinées à sécuriser l'usage du trottoir de la promenade des Anglais. Dès le 11 juillet et d'ici mi-septembre, les 40 passages piétons de la piste cyclable seront équipés de feux rouges, synchronisés avec ceux de la voirie. Des signalétiques au sol et des panneaux seront installés, ainsi que des bandes rugueuses destinées à ralentir mécaniquement la vitesse des vélos et trottinettes. Est-ce que vous pensez que ça va vraiment les arrêter? Pas une seconde. Pas une seconde. Je ne vois pas une trottinette s'arrêter au feu rouge. Pas une. Mais les torts sont partagés, les piétons aussi ont leur part de responsabilité. Il y en a qui ne font même pas attention, ils traversent bille en tête et ils ne savent même pas qu'il y a la piste cyclable. Donc effectivement, s'il y a peut-être une meilleure signalisation, ça permettrait d'éviter certains accidents. Face à la multiplication de l'usage des engins électriques, le maire de Nice qualifie la législation de 2019 d'obsolète. Je demande à ce qu'on transfère aux maires la possibilité de pouvoir décider eux-mêmes. Si une piste cyclable est affectable, là où aujourd'hui elle est obligatoire, à des trottinettes qui sont confrontées aux piétons et aux cyclistes. En attendant l'immatriculation des engins électriques souhaités par de nombreux élus et associations, les contrôles radars vont se multiplier pour faire respecter sur la promenade la limitation de vitesse à 20 km/h.